Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle bibliose. Je suis le docteur Aïda Sofiane Idraba du Maroc. J'ai le plaisir de co-modérer cette session avec le docteur Christophe Mann de l'APHP à Vicennes-Jean-Verdier et avec le docteur Clément Beck qui est cardiologue à la clinique de la sauvegarde de Lyon. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Patricia Réan du CHU de Bordeaux, qui va nous parler de la survie à long terme sous tafamidis pour les patients avec amylose transthyrétine. Donc, Patricia, à toi la parole. Bonjour à tous. J'ai choisi pour vous un papier qui a été récemment publié et qui étudie donc la partie d'études à long terme, la suite d'ATTRACT, l'étude à long terme avec l'efficacité du tafamidis chez les patients avec amylose cardiaque à transthyrétine. Alors, l'objectif principal, c'était donc de voir sur l'étude de long terme, c'est-à-dire à 5 ans, le bénéfice du tafamidis dans l'amylose cardiaque à transthyrétine. Et donc, à l'issue de l'étude ATTRACT, les patients qui étaient en placebo ont été switchés également sous tafamidis. Donc, vous voyez ici le flow chart. Sur les 441 patients randomisés, ils ont exclu les 88 patients qui avaient été mis dans ATTRACT sous tafamidis 20 mg. Ils n'ont pas inclus, ils ont comparé uniquement les patients qui étaient sous 80 mg au démarrage. Donc, il y avait 176 patients. Et donc, à l'issue d'ATTRACT, ils ont été, pour certains, ils ont été tous switchés à 80 mg, puis à 61 mg quand la RTU s'est terminée. Donc, il y a un comparatif entre 110 patients qui ont continué versus 82 patients. Donc, avec un moyenne de suivi à 5 ans. Dans le groupe tafamidis en continu, c'est-à-dire ceux qui ont eu le tafamidis depuis le début, il y avait 45% de décès à 5 ans, alors qu'on peut aller jusqu'à 80% quand on n'est pas sous tafamidis. Dans le groupe placebo qui a été switché à tafamidis dans un second temps, il y avait un taux de décès de 63%, donc plus important, donc avec une différence significative de ne pas avoir eu le traitement dès le démarrage. Il n'y a pas eu de problème en concernant la sécurité. Il y avait autant d'événements secondaires globalement qu'avec le placebo. Et quand on voit ici les courbes de survie, on voit que les patients traités en continu par tafamidis et les patients qui ont été switchés, dès 14 mois, il y a un écart qui se creuse en termes de survie, sans décès. Et donc, avec un taux de décès qui est plus important chez les patients qui ont été mis sous tafamidis dans un second temps, donc ce qui prouve l'intérêt de mettre les patients le plus tôt possible, avec cependant un bénéfice résiduel chez les patients qui ont été pris en charge tardivement, puisque sur des courbes de survie où on extrapole ce que ça aurait donné chez les patients qui avaient continué avec un placebo, les patients qui ont eu le tafamidis dans un second temps ont quand même eu moins de décès que cette courbe d'extrapolation. Il y a des études qui ont été faites selon le génotype, selon que les patients étaient mutés ou non mutés. Et on voit que chez les patients qui étaient non mutés, les wild type, il y avait une diminution de 35% du risque de décès quand on a par rapport au fait d'être en tafamidis en continu. Et alors que chez les patients mutés, on diminuait également d'environ 40% le risque. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est en fonction de la NYHA, on voit qu'on a une réduction de la mortalité toute cause de 44% chez les patients qui étaient à baseline en NYHA 1-2, c'est-à-dire tout au début. Et les patients qui ont été NYHA 3 ont également une 35% de réduction de la mortalité toute cause. Donc là, ça laisse sous-entendre que potentiellement, on peut apporter un bénéfice également chez ces patients les plus sévères. Et donc, c'est un élément assez nouveau. Donc, en conclusion, ce travail montre qu'il y a une meilleure survie chez les patients qui ont été initiés par tafamidis le plus tôt possible par rapport au groupe placebo qui a été switché
sous ta famille ensuite. Donc, il y a une importance à traiter le plus rapidement possible les patients pour les stabiliser. Il y a également un bénéfice, même si les patients sont assez sévères, du genre NYHA3, ou s'ils ont été traités tardivement, par exemple, si il y a eu du retard diagnostique important ou qu'au début, ils n'ont pas souhaité prendre le traitement, il y a toujours un intérêt à le discuter à un moment donné pour leur apporter un bénéfice en termes de survie. Je vous remercie de votre attention.